Allô, allô. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, vous avez écouté le CTG. Vous savez, il y a d'autres structures. Par exemple, il y a le FNDC, il y a la troisième dynamique, il y a l'ANAP. Il y a plusieurs qui ont mené un combat. Ils sont là parmi nous, ils sont représentés. Ils vont prendre la parole pour une minute. Et nous, organisateurs, nous avons aussi le chargé de la com, qui est Mokhtar Sall, qui est à côté de moi ici. On va demander à ces structures de lui laisser le temps de prendre la parole avant qu'on leur donne le micro. Donc Mokhtar, s'il vous plaît, ici, s'il vous plaît. Attends. Et je voulais rajouter encore qu'il y a beaucoup qui sollicitent ici de prendre le micro, surtout des jeunes qui se sont engagés, des grands blogueurs. Restez tranquille. On aura l'occasion ici de prendre le micro et que vous vous exprimez. En attendant, Mokhtar Sall va dire deux mots et puis après Mohamed Lamine Camara, qui est l'ami de colonel Doumbouya, il a un mot pour nous. Voilà, il est aussi compétent, l'ami de colonel Doumbouya. Et il y a Carnot Hassler qui invitait depuis toujours à colonel Doumbouya de sauver la Guinée. À chaque fois, si vous l'avez écouté, il s'est déplacé depuis l'île. Il y a beaucoup de gens. Il y a les Tatakourou ici, je vois des jeunes Big Soul 224, je vois Alkin et Diogabar Soiré et tous ces jeunes influenceurs qui n'ont jamais baissé les bras pour lutter contre cette dictature d'Alpha Condé. Pendant 11 ans, il nous a éprouvés. Et aujourd'hui, la force revient au peuple. C'est la victoire du peuple. C'est la victoire pour le peuple. Et voilà. Merci. La Guinée. La Guinée. Vive le CNRD. Vive le colonel Doumbouya. Ok, merci beaucoup. Mokhtar Sall, s'il vous plaît. Mokhtar Sall, s'il vous plaît. Ok, on passe le micro. Il est chargé du comité d'organisation. C'est lui qui prend la parole au nom de nous tous. Voilà, donc ça veut dire que nous allons donner la parole à des structures qui sont venues pour qu'ils s'expriment. Lui, il prend la parole au nom de ce comité d'organisation de cette mobilisation que nous avons aujourd'hui. Donc, Mokhtar Sall, chargé de la com, tu as le micro. Merci. Bonjour, merci à tous. Je ne vais pas être long, je ne ferai pas de discours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est place à la fête. C'est tout simplement vous dire merci, merci, applaudissez pour vous. Tout le monde a bossé, tout le monde a bossé. Le colonel, il a parachevé une action qu'on avait commencé depuis une dizaine d'années, depuis une bonne dizaine d'années. Tout le monde, les personnes ont bossé. Il n'y a pas besoin de faire un rappel. Et il faut savoir aujourd'hui, c'est l'ambiance. C'est la fête, nous allons fêter, parce que vous vous rappelez bien, les autres fois on venait, c'était des discours, des slogans un peu durs. Aujourd'hui c'est place à la fête, fêtons, c'est la Guinée qui gagne. Une Guinée nouvelle, vive la Guinée nouvelle, vive la Guinée nouvelle. Rassemblement, rassemblement, toutes les personnes, même ceux de l'autre bord, sont invitées à rejoindre la majorité. Venez rejoindre la majorité pour construire une Guinée nouvelle. Merci à vous. Applaudissez pour lui. Il a été très court. Il a été très court et puis ici. Allez, voilà. Merci DJ. Alors, nous allons maintenant passer à la suite suivante. Vous savez. S'il vous plaît, on va laisser. On va donner la parole à M. Camara, mais il était question que le FNDC prenne la parole. Mais je sais que le FNDC est aussi des hommes forts qui ont lutté pour qu'il n'y ait pas un changement de constitution dans notre pays. Et ils sont prêts à nous attendre afin qu'on leur tire le temps le micro. Donc, M. Camara, s'il vous plaît, vous allez montrer et vous allez nous dire comment nous sommes arrivés à, voilà, donc à Fala Boubeba. Vive la Guinée! Vive la liberté! Vive le Comité national pour le rassemblement et du développement! Vive le colonel Mamadou Doumbouya! Vive le libérateur colonel Mamadou Doumbouya! Je vous remercie. Je ne serai pas long. Mais je vais brosser quelques traits pour vous dire combien de fois nous sommes contents, heureux de se retrouver en tant que Guinéens
Et je vois, nous sommes là dans la diversité culturelle. Il y a toute la Guinée qui se retrouve. La basse Guinée, la haute Guinée, la moyenne Guinée et la Guinée forestière. C'est ça la Guinée. C'est ça nos prédécesseurs nous ont légué. Et c'est ça que nous devons continuer l'œuvre. C'est pourquoi je vous dirais, si vous savez, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Parce que tout simplement, quelqu'un nous a promis, quelqu'un a touché à ce qu'on appelle un contrat social. Ce contrat social, c'était notre constitution du 7 mai 2010, sur laquelle il a prêté serment. Et dans les dispositions, nous pouvons les rappeler, pour ceux qui ne sont pas juristes, dans l'article 35, qui est consacré à la prestation du serment du président de la République, il avait juré devant le peuple de Guinée en disant qu'il va respecter et faire respecter les dispositions, les lois de cette constitution qui lui a fait élire à ses termes. Et il a dit encore, en cas de parjure, qu'ils subissent plutôt. Les décisions, les lois de cette constitution. Donc déjà c'est un parjure. Il a fait le parjure, il doit être condamné pour ça. Point second point, l'article 27 qui demande de ne pas toucher la modification de la constitution. Et Alpha Condé sait bien que dans la disposition de l'article 27, il était mentionné de faire deux mandats. Et pas en aucun cas. Il ne peut accéder à deux mandats consécutifs ou non. Et pour cela, Mamadou Colonel, Mamadou Doumbouya, vu qu'il a déjà constaté, c'est un intellectuel, je vous le rappelle, hein, c'est un universitaire, vu qu'il a constaté la violation de cette constitution, il était devoir pour cette armée qui mobilise, qui arrive à convaincre le groupement des forces spéciales avec d'autres éléments de l'armée, de mener ce qu'on appelle un coup de pouce, un coup de force. Mais la Guinée n'a pas eu fait coup d'État. Je vous le rappelle, il faut que ça soit clair dans la conscience des gens. Il n'y a pas eu de coup d'État en Guinée, mais un coup de force. Ce coup de force, c'était de rétablir ce qu'on appelle l'ordre régalien. Cet ordre régalien, c'est la liberté restituée au peuple de Guinée. Et je vais donner la chance aux autres d'intervenir. Je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup. Et comme je vous disais, il y a le FNDC, sans plus tarder, qui va prendre la parole. Monsieur Camara, montez s'il vous plaît. Voilà. Donc lui aussi, il aura 2 minutes, on va aller écouter. Vive le FNDC. Merci Tanguy, merci tout le monde. FNDC. C'est l'honneur aujourd'hui de parler au FNDC France. Et je voudrais simplement, pour ne pas perdre du temps, vous proposer un porte-parole pour le FNDC qui est en la personne de Tadagourou. Tadagourou, pas que nous ayons la parole par deux fois, je répète que ce soit Tadagourou, on va prendre la parole pour le monde. D'accord. Merci beaucoup. Vous savez, la couleur que vous voyez ici, C'est un guerrier. Et ici, il va l'exprimer. Merci. Bonsoir tout le monde. D'abord, il faut qu'on chante ensemble. Pissansi, Doumbouya, Pissansi, Amaïngé, Pissansi, Doumbouya, Pissansi, Amaïngé, Pissansi, Doumbouya, Pissansi, Amaïngé, Pissansi. Bon, merci beaucoup. Moi, je ne veux pas être long. Mais je voudrais qu'on fasse attention. Le combat n'est fait que commencer. L'objectif n'est pas encore atteint. Mais moi, ce que je voudrais dire, méfions-nous beaucoup à la libération précoce de Alpha Condé. Le gars, il est farouchement riche. Il a des milliers d'euros. Il peut déstabiliser la Guinée. Le gars, son cœur n'oublie pas la haine. Et quand il a une haine, c'est jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tout le monde, personne ne peut dire ici qu'il ignore la fortune de Alpha Condé. Quelqu'un qui a gouverné ce pays pendant 10 ans, avec toutes les cruautés que vous connaissez. On va libérer Alpha Condé aujourd'hui,
Vous savez, il a un lieutenant qui s'appelle Damaro, qui dit qu'eux, ils n'ont pas peur de la guerre. Ils sont en Sierra Leone, ils sont au Libéria, ils sont en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas dire le nom de la communauté, mais tout le monde sait de quelle communauté je parle, parce que c'est lui qui l'a dit. Alpha Condé peut faire une alliance avec cette communauté pour déstabiliser notre pays. Donc il faudra beaucoup faire attention. Alpha doit être jugé en Guinée. Alpha doit être jugé en Guinée. Le rassemblement doit se faire dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Donc je vous remercie. Vive le FNDC, vive le combat, vive l'armée guinéenne, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, écoute la musique, un peu de musique d'abord, un peu de musique. Ouais, Nous avons une de nos soeurs qui est là, qui est Didja. Je ne sais pas si elle est là, Didja. Didja est là. Non, je dis avant qu'on le donne la parole à l'ANAT, on a une soeur qui est là, qui est Didja. Talent de Guinée, vous savez, talent de Guinée. Il va venir prendre aussi pour vous remercier. Parce que pour le combat que nous menons tous ensemble. Donc si Didja est là, elle a une minute. Est-ce qu'elle est là, Didja? Est-ce qu'elle est là, Didja? Bon, ok. Elle est partie. Elle est partie. Et nous, excusez-moi, elle est partie. Nous allons passer la parole à l'ANAD. Non, après, mais, s'il vous plaît. Bon, ok. Comme vous le dites, mais sinon, on va donner d'abord la parole à l'ANAD. Et après, Fantasina va se préparer pour son discours. Je vous en prie. Ok. On organise des choses et on ne fait pas des choses. Voilà. S'il vous plaît. Donc, l'ANAD, s'il vous plaît. L'ANAD, qui est le représentant de l'ANAD ici? Bon, c'est monsieur Cassé. Vous pouvez monter et vous avez la parole. Vive les combattants de la démocratie. Vive les combattants de la liberté. Vive les combattants de l'alternance démocratique. Vive les combattants de l'ANAD. Le 5 est un jour libérateur. C'est un jour qui nous a permis de croire en chaque Guinéen. C'est un jour pour nous, pour rêver, de recevoir tous les Guinéens selon leur esprit. On ne reçoit plus selon la vie. C'est fini. C'est fini selon la vie. Nous recevons maintenant selon l'esprit, selon la capacité intrinsèque de tous les Guinéens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au niveau de l'ANAD, le combat qui a été mené, c'était un combat pour amener l'alternance démocratique. Dans la démocratie, il y a deux choses. Nous avons le multipartisme et nous avons l'alternance démocratique pour clore la démocratie dans un pays. Donc nous avons ces deux temps aujourd'hui qui sont en train de prévaloir en Guinée. Au colonel Doumbouya, le sauveur, le libérateur, applaudissons pour le colonel Doumbouya. Nous lui demandons de tenir parole. Il parle peu, mais ce qu'il dit est serein et sensé. Qu'ils amènent les Guinéens dans le droit chemin, qu'on arrête la gabegie financière, que les Guinéens se retrouvent et que l'alternance démocratique soit en Guinée pour que nous puissions demain et après-demain nous regarder en face. Parce qu'avec le régime de Fakonde, on avait honte l'un de l'autre. Aujourd'hui, on se regarde en face. Nous avons 40 ethnies en Guinée. Aujourd'hui, il n'y a plus de cicatrices. Parce que ces frontières, c'était des cicatrices. Il n'y en a plus. Nous n'avons plus de cicatrices. De Conakry à Yomou, de Yomou à Conakry, chacun est ce soir. Nous devons cultiver cela. Nous devons faire en sorte que chaque Guinéen se reconnaisse et devienne la police de la police. On n'acceptera plus cette ethnostratégie. On n'acceptera plus qu'on utilise l'ethnie pour amener des gens à combattre les autres. Nous sommes des Guinéens. Combien de sang ont été créés en Guinée? Kayamanga Sissé, c'est qui? C'est un peu? Non. Afaya Diallo, c'est qui? C'est un peu? Samoura Touré, c'est qui?
C'est tous des combattants qui ont versé le sang pour ce pays. Et quand on parle de l'indépendance, cette Touré est entourée aussi de toutes les ethnies. C'est toutes ces ethnies qui se sont battues pour que la Guinée soit la Guinée indépendante et souveraine. Continuons dans ce combat. Je vous remercie. Vive la Guinée, vive la jeunesse, vive l'indépendance de notre pays. Merci à vous. Nous avons tout le temps pour faire la fête ici. Nous sommes venus pas pour faire des discours politiques, mais pour s'enjaillir, pour fêter la liberté, pour célébrer la liberté. Mais comme vous savez, le combat vers la liberté, c'est le concours de tout un chacun. Applaudissez pour vous! Applaudissez pour vous! Nous allons appeler ici quelqu'un qui a marqué les esprits. Quelqu'un qui s'est battu, qui a été l'une des toutes premières victimes de la barbarie, de la dictature de M. Alpha Condé, un Alpha Condé à qui on a porté confiance. Dans l'Assemblée, j'ai vu des amis d'Alpha Condé avec qui on a fait les pavés ici. Certains même, ils étaient nommés. Mais Alpha les a lâchés. Il n'a confiance à personne. Il a méprisé tous les Guinéens. J'appelle ici un tonnerre d'applaudissements pour Mangue Sidibé, s'il vous plaît. Mangue Sidibé, c'est un grand guerrier. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux ici, Inch'Allah, chacun aura ce mois-ci. Vive la Guinée, vive l'unité nationale, vive le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous dis grand merci, moi je n'ai pas grand chose à dire, tout ce que je voudrais dire tout simplement, c'est attirer l'attention de la gente. Il ne faudrait pas écouter la CEDEAO et l'Union africaine qui exige aujourd'hui la libération de M. Alpha Condé pour aller s'exiler. M. Alpha Condé a pris les armes contre la Guinée dans une rébellion. Il n'avait pas d'argent à l'époque, il était simple opposant. Aujourd'hui, il a des millions, des milliards dans les banques à l'étranger. Pour le libérer, il va détruire toute la Guinée. C'est quelqu'un qui n'aime pas la Guinée, il n'aime pas les Guinéens, il n'est pas Guinéen, il ne faut pas le lâcher. Il faut qu'il réponde de ses actes devant la justice guinéenne. Donc, c'est ce que nous voulons dire, inviter le colonel Mamadi à ce que lui et son équipe veillent à ce que M. Alpha Condé soit jugé, condamné devant les juridictions nationales, qu'il réponde de ses actes devant les caméras guinéennes et que les Guinéens sachent qui a fait quoi. Aucun ministre, aucun ancien ministre ne sorte de la Guinée, qu'ils répondent tous de leurs actes abominables en tuant les enfants uniques de certains sur l'axe. Aujourd'hui, c'est la liberté. Merci, grand merci à vous tous qui avez consenti des sacrifices. Merci au colonel Doumbouya, la liberté est déjà acquise. Bravo à vous tous, applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup, merci Mangue Sidibé, applaudissez pour Mangue Sidibé. Il n'est pas le seul, mais il a fait beaucoup. Donc voilà. J'enchaîne avant de donner, on n'est pas des machos quand même, les femmes sont là. Elles ont commencé avec nous, applaudissez pour Fanta et pour toutes les femmes. Voilà, voilà, Fanta. Fanta, je sais que tu étais fâché. C'était la chérie de Alpha Condé. Je ne sais pas si ça vous a. Vous les deux, avec moi. Bonjour la Guinée. Bonjour toute la Guinée. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler. J'étais là depuis 2007. Au temps de la Sana Conté, on a fait les 157 morts. On était là, on est sorti. On a manifesté avec le bourreau de la Guinée, Alpha Condé. Il nous a promis la libération, il nous a promis la démocratie, mais il n'a pas tenu parole. Il n'a pas respecté ses engagements. Aujourd'hui, je suis juste là pour vous dire que Dieu aide la Guinée. Amen. La pluie de bénédiction tombe sous la Guinée. On a trop souffert. On veut juste quoi? La démocratie. Je veux que tous les Guinéens et Guinéennes se rassemblent. Il n'y a pas de différence entre nous les Guinéens. On a grandi ensemble. On a joué ensemble. C'est ça, on est né ensemble. On n'a jamais été divisé comme au temps de Alpha Condé. Même le fait, c'est que Touré n'a pas.
Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de sous-sous, il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de forestier. On est tous des Guinéens. C'est le seul mot que je vais dire. Merci Fanta. Vraiment, merci beaucoup pour ce discours poignant, digne de la femme guinéenne. Voilà. Donc on va enchaîner. On n'est qu'au début ici. Hein. Vous savez, en Guinée, il y a eu des jeunes qui ont été courageux, qui ont osé affronter, qui ont préféré la justice divine, la justice de l'histoire, que la justice d'Alpha Condé. Il y a eu beaucoup qui ont fait des lettres de pardon. Ils n'ont pas cédé. Et ils n'ont pas cédé, ils ont résisté. Parmi eux, il y a Fanny Kamenge. Applaudissez pour Fanny Kamenge, s'il vous plaît. Et alors là, ici, j'ai son grand frère. Vous savez, c'est la famille. Et il est là, il s'est soucié aussi pour Fanny Kamenge. Et ils ont œuvré pour garder le moral. Parce qu'il y a des moments comme ça, quand on est isolé dans sa cellule, on a besoin de solidarité, mais surtout de fraternité. Alors, bon, facile, là, monte ici. C'est mon esclave de Yakanke. Mais... pour le moment, j'accepte qu'il soit mon chef. Merci. Avec plaisir, à Sigamane. Avec plaisir, à Sigamane. Ensemble, unis et solidaires. Ensemble, unis et solidaires. Voilà, c'est ça. Je pense que mon confrère Kanta a tout dit. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire à cette foule, c'est de dire grand merci. Essayons de se donner la main. Car ensemble, on va toujours remporter. Vous voyez, moi je me dis que le seul acte que Alpha Condé a fait qui était positif, c'est le fait de ramener le colonel Doumbouya en Guinée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moula Mary, est-ce que l'on a le colonel Doumbouya a été positif. Donc, ensemble, et solidaire, nous mettons. Merci beaucoup, merci. Big respect à Fanny Kamenge qui va venir dans 3 semaines en France. Voilà, quand il va venir, on va faire un direct avec Kanta, je vous promets. Il est tout à l'heure, il suivait notre direct sur la vidéo pour chacun d'entre vous là. Voilà, j'avais le téléphone. Vraiment merci. Merci, pas facile là. Voilà, donc, oui, chef, ça va? Ok. Non, c'est bon là. La sécurité, s'il vous plaît. Ok, d'accord, on lâche pas l'affaire. Écoutez, avant de passer le micro à Serre, mais surtout à nos amis, les panafricains qui nous ont accompagnés dans ce combat, je parle de l'équipe de Mimo, l'équipe de Dja, et tous ces panafricains, et puis les jeunes blogueurs, ils sont là, Big Soul, je l'ai vu. On va passer le micro ici à Monsieur Kanté, le jeune. Fabo Kanté, voilà, un grand guerrier qui a résisté. Voilà, Fabo, prends le voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour la République de Guinée. Aujourd'hui, on se sent libre. Mais la première question que moi je me pose, c'est pourquoi vous êtes là? Pour la Guinée. Parce qu'on a été libéré. En France. Est-ce que vous êtes venu en France parce que vous aimez la France? Non. Est-ce que vous êtes venu en France parce que vous aimez la France? Non. Vous êtes là parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous qui est inacceptable. Ouais. Vous êtes là parce que vous avez fui la corruption, vous avez fui la gamégie, vous avez fui la prison. Alors, on doit s'intéresser tous à la politique parce que sans la politique, on n'est rien. Ceux qui disent qu'ils sont apolitiques n'ont rien compris de leur vie. Sans la politique, on n'est rien. Ça cause des mauvaises décisions politiques, on est là aujourd'hui. En tant qu'il n'y aura pas de bonne politique, de bonnes décisions politiques chez nous, en Afrique, on sera toujours là. Alors ce qu'il faut dire aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'Alpha Condé n'a pas démissionné. Qu'Alpha Condé, c'est le président de la République. Je tiens à vous souligner que depuis 2020, à l'achèvement du deuxième mandat d'Alpha Condé, Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée légalement et légitimement. Donc, qu'Alpha Condé démissionne, qu'il déclare, qu'il fasse un communiqué ou pas, on s'en fout de ça. Parce que Alpha Condé n'était plus président de la République de Guinée. Alors, vive la liberté,
vive la justice, vive la légalité. Ce qu'il faut savoir encore, aujourd'hui, bon nombre de Guinéens se posent la question sur la future destination d'Alpha Condé. Il faut dire, et il faut accentuer, il faut dire à M. Doumbouya que Alpha Condé n'ira nulle part, il doit répondre à ses actes. On doit mettre une justice en place. Alpha Condé et son gouvernement et ses éléments et ses collaborateurs doivent répondre devant la justice guinéenne. Il faut donner une image acceptable à ce coup. Donc on pense que c'est un coup d'État. Mais pour nous autres, les jeunes conscients, nous savons que c'est un coup de paix, c'est un coup d'ordre. Parce que ce qu'il faut savoir, Alpha Condé a fait un coup constitutionnel et M. Doumbouya est venu, il a pris conscience. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, on en a marre. Donc vive la République, vive la Guinée, vive l'unité. Et s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de forestier, il n'y a que des Guinéens. Il n'y a que des Guinéens. C'est ce que j'ai toujours prôné sur ma page, jeune visionnaire. Pour ceux qui me connaissent, moi je m'en tape des peuples, je m'en tape des malinqués, je m'en tape des soussous, je m'en tape des forestiers. Une Guinée unie, c'est une Guinée unie qu'on a besoin. La fois dernière, j'ai appris que la coordination du Mandin devrait faire le déplacement où je ne sais même pas que la coordination de Mandin était à Conakry pour rencontrer M. Doumbouya. J'ai fait un live en disant, M. Doumbouya, il ne faut pas recevoir la coordination de Mandin. La Guinée n'est pas le Mandin. À partir du jour où la Guinée a été programmée république, on s'en fout de Mandin. On s'en fout de Fouta. On s'en fout de la forêt. On s'en fout de la basse-côte. On a besoin de la République. Et il faut enseigner la notion de la République aux enfants guinéens. Qu'ils sachent que depuis 1885, la Guinée a été tracée par les Français. C'est la Guinée a été colonisée par les Français et la Guinée a été, les 245 857 km² ont été définis par la colonie française. Donc, tous ceux qui ont eu des ancêtres à partir de ce moment sont des Guinéens. On s'en fout des peuls, on s'en fout des malinqués. Nous voulons un seul langage, un seul verbe. Alpha Condé doit être jugé. Alpha Condé doit être jugé. Il a tué des enfants, il a tué des jeunes. Il a brisé des avenirs. Alpha Condé doit être jugé. Il n'y a pas de pitié dans ça. Le Guinéen est très émotif. Mettons l'émotion de côté. Regardons la justice. Vive la Guinée, vive la liberté et vive l'égalité.